Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette vidéo sera mon nouveau poisson. Donc j'ai eu un nouveau poisson et c'est un poisson rouge. Donc si vous voulez le voir, je vous montre tout de suite. Donc, je sais pas trop si vous allez réussir à le voir, mais il est trop mignon. Donc il est rouge. Comme ça. Il est trop beau. Donc tout d'abord, je l'ai eu hier. Donc ça fait pas du tout longtemps que je l'ai. Oh, il y a du soleil. Il fait chaud aujourd'hui. On peut dire que c'est la canicule, hein, je vous jure. Donc c'est un poisson rouge, donc le poisson rouge que j'ai c'est une femelle, elle s'appelle Ambre. Et en fait le truc c'est que elle mange des plantes vertes, du concombre, de la nourriture exprès pour poissons, oui bien sûr, tous les poissons mangent. Tout ce qui est plantes vertes et tout, elle mange, donc les concombres, elle mange des petits pois, elle mange vraiment beaucoup de choses, elle peut manger des morceaux de viande. Est bizarre pour un poisson, mais oui, elle peut manger des morceaux de viande. J'ai vu qu'elle mangeait des petits bouts d'insectes, insectes verts, donc comme les sauterelles, elle en mange. J'ai vu ça sur internet. Elle me regarde. Elle est trop belle et j'aime bien le prénom. Quand je l'ai vue, j'ai dit toi, t'as une tête à taper Ambre, donc je l'ai appelée Ambre. Et en fait, si vous voulez, la petite décoration que je lui ai fait. Donc, je lui ai mis tout d'abord un petit sol comme ça. Fleur, un peu fleuri. Je lui ai mis une petite sucette comme ça pour décorer. Avec une petite boîte où il y a sa nourriture. La canette de coca, il te tient. Et une bouteille d'eau pour remplir quand il n'y a plus assez d'eau. Donc ça, c'est quand je lui change son eau. Je la mets dans un petit seau comme ça. Un petit seau comme ça qui est très d'ailleurs pratique. Il est beau. Donc dedans c'est un peu stupide. Bref. Voilà. Dans ce bocal là, j'ai failli la mettre au début, mais j'ai vu que c'était un peu trop petit. Donc je l'ai achetée petite. Elle est petite. Donc sans parler que de mon poisson dans cette vidéo là, je vais parler de deux choses. Donc la première chose, c'était mon poisson, donc Ambre, ma femelle. Et en deuxième, je vais vous parler de ma chambre. Oui, j'ai changé ma chambre de place. Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis plus devant la porte, mais je suis à côté. Donc je suis loin quand même de la porte. La porte, elle est tout là-bas. Et ma coiffeuse n'est plus là-bas. Donc tout d'abord, mon poisson que j'ai mis ici. Ici, vous allez voir qu'il y a ma petite table de passe. Table basse. Ça c'est l'endroit où je suis en train. C'est encore un peu plus. Ici j'ai mis mon lit. Donc attendez, je vais vous montrer. Donc mon lit canapé, donc mon lit clic-clac, ma table basse. Ici ça reste toujours ma penderie. Hein. Elle n'a pas changé de place. Donc j'ai changé ce coin là de place. C'est plus propre comme ça. Là c'est un peu resté pareil, mais j'ai changé 2-3 trucs. Ici c'est toujours l'étagère de mon chien, de mes produits, de mes jeux de société, mes occupations, mon sac de sport. Je l'ai mis sur ma chaise de bureau. Ma boîte à linge sale, elle est ici. Donc elle a changé de place. Et mon poisson qui est là. Et j'ai mis un petit bac ici. Donc avec Ambre qui est ici et qui se plaît vraiment. D'ailleurs, je pense bien qu'il est temps de changer l'eau. Je pense qu'il est temps de changer l'eau. La peau. Bref, il est temps de changer l'eau. Donc après la vidéo, je m'occupe de Ambre tout de suite. Je lui change l'eau. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, mettre des pouces bleus et surtout vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous.
Je vous aime fort, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!